and kiss the moon. I really get to clicking, but I'm looking for a sister to the mama when I kiss the moon. If you want some lovin', just let me know. Bonjour messieurs, dames, je vous ai quitté hier soir, je vous reprends de bon matin. J'ai la flemme de tiktoker aujourd'hui, enfin de liver. Du coup bah, j'ai pas pris le live, je vais attendre même qu'on vienne m'appeler ou qu'on sonne à la porte. Il est 8h26, normalement à 30 je suis censée être en bas. Mais là j'ai la flemme, enfin bref je pense que je vais quand même descendre avant. Mais on sait jamais, peut-être que ce dialogue, enfin ce monologue durera plus que longtemps. Et du coup je descendrai pas et puis ça va sonner, j'en sais rien. Parce que je sais pas à quelle heure exactement l'ambulancier va arriver, bref. Du coup on commence une nouvelle semaine. Cette semaine ça va être une semaine assez particulière puisque c'est la semaine des 1 an. Le mercredi 1er mai je fêterai. Voilà quoi, je m'en serais passé clairement. Ça fera 1 an exactement que je me suis cassé le coude. Le samedi 4, ça fera 1 an exactement que j'ai eu ma première intervention. Et tout ça, ben, ça se fête. Je sais pas si je vais pas essayer sur ce montage-là. Alors, c'est vraiment une idée comme ça. Ça se trouve, ce sera pas du tout le cas. Mais je sais pas si je regarderai pas des images de moi il y a 1 an pour voir dans quel état j'étais, quel état second j'étais, avec des moments de mon parcours, si j'ai réussi à filmer ça, parce que je me rappelle pas de ce que j'ai filmé exactement, mais j'aimerais bien retrouver des trucs d'il y a 1 an ou faire peut-être une vidéo spéciale, je verrai, on verra. Pour l'instant, c'est une idée comme ça, mais j'aimerais tellement, ça serait cool de voir là. Ah, mais on m'appelle, j'y vais, je descends. Allô ? Bon, petite pause, j'ai perdu des fichiers. D'ailleurs, je suspecte bien mon petit frère parce qu'il a bidouillé avec mon appareil photo et je suppose qu'il a voulu supprimer des trucs qu'il avait fait et qu'il a supprimé un truc que moi j'avais fait aussi. Bref, c'est pas grave. Je vous expliquais, je vous fais un petit arrêt sur écran parce que je vais vous parler de la mutuelle juste après et vous n'allez pas comprendre ce qui s'est passé. En fait, je vous expliquais que mon petit frère arrivait donc à 10h ce jour-là et qu'avant qu'il arrive, je voulais vérifier 2-3 papiers au niveau de mon, par rapport à mon intervention et notamment je voulais appeler ma mutuelle concernant mon transport en VSL. Je sais que la première partie, donc les 60% de par sécu, allait être pris en charge par la sécu. Enfin, j'avais eu l'accord. Par contre, j'ai pas eu de retour de ma mutuelle. Donc, je voulais être sûre que tout soit pris en charge et que j'ai pas un complément à donner. Auquel cas, j'aurais dû le prévoir. Donc, je vous laisse avec la réponse. Et puis, ben, bon reste de vlog. Les amis, c'est bon. J'ai eu la mutuelle. Mon petit frère, du coup, m'a descendu le chien. C'est parfait. Et du coup, la mutuelle m'a dit que c'était ok, j'ai le droit à une chambre particulière à hauteur d'un certain montant, qui est franchement très abordable, enfin très bien. J'ai aussi une aide en chèque emploi-service pour éventuellement une aide ménagère si besoin, que ce soit pour m'aider à faire du linge, à faire du ménage ou autre. Ce qui laissera chouchou tranquille quand je reviendrai aussi à la maison, parce qu'il peut faire des petites choses, mais il peut pas tout faire non plus. Il va se coltiner le boulot, moi à charge plus mon fils. Donc si je peux le soulager un peu, c'est parfait. Donc aide ménagère, c'est ok, le linge, etc., ça sera ok. Mon trajet est pris en charge à 100% du coup. Mes deux trajets du coup sont pris en charge à 100%, l'aller et le retour. Les chambres particulières, c'est ok. Parce que bon, j'ai entendu dire que dans le centre où j'étais, il fallait tomber sur quelqu'un de très positif. En tout cas, de pas trop casse-pieds. Et apparemment, les gens sont casse-pieds dans les chambres doubles. Parce que c'est des gens malades, après, c'est normal. Malade et pas forcément que physique, c'est aussi des fois psy. Et donc, c'est compliqué. Et du coup, j'espère avoir une chambre simple. Mais rien n'est fait. Rien n'est dit. Ça dépendra aussi des places disponibles. Donc même si je fais une demande de chambre particulière, ça se trouve, j'aurai pas le droit, il y aura pas de place. J'ai tout mis de mon côté pour être sûr que ce soit pris en charge. C'est bon ? Mon petit frère est là. Fifi, il est pas bien encore à nouveau. Il a pas fait de malaise cette nuit, mais par contre, il a très très mal respiré. C'est mon frangin qui vous dit coucou. Il a très très mal respiré. Enfin, il a fait. Vous savez, comme il fait tout. Enfin, vous savez peut-être pas parce que je vous le montre pas spécialement, mais c'est vrai que je vous en parle souvent. Vous l'entendez des fois derrière les vidéos, il fait. Il a fait ça vraiment très très souvent. Oh, j'ai plus de batterie. Il a vraiment fait ça très très souvent dans la nuit. Donc je me suis dit à tous les coups, il va me faire une crise. On a surveillé. Chouchou s'est réveillé cette nuit, moi aussi. Et rien. Ce matin, bien. Quand mon petit frère a sonné, à chaque fois que mon petit frère sonne, de toute façon, mon fils, mon chien est tout content. Et là, ça, il aurait pu faire une crise à ce moment-là. Il l'a pas fait. Donc c'est déjà un bon point, mais voilà. Du coup, il suit mon frère partout. Il va au balcon. Bon, du coup, ça a coupé. J'étais en train de vous dire que mon chien suivait mon petit frère partout. Donc, il va au balcon, il va dans le couloir, il va dans la cuisine. Donc, c'est très drôle. Il s'est fait un copain. Ah, tu t'es fait un copain, Pipi ? Oui, il s'est fait un copain, Pipi. Regardez. Attendez. Ah, comme par hasard, il va nous faire mentir. Ouais. Mais il te regarde quand même. Hein. Il se dit, attends, il va où, lui ? Ah, ça y est. Oui,
Il est bête. Enfin, il est bête. Il est mignon. Il s'appelle Noupi. C'est son deuxième prénom, c'est Noupi. Je ferme pour pas qu'il aille dans la cuisine. Il y a juste ma chambre qui doit être ouverte pour qu'il puisse aller dans sa petite cahute. Ah ben Loulou, fous-toi la téloche si tu veux te foutre la téloche. Parce que je voudrais faire un peu de montage. Tu vas les déposer, celui-là ? Ouais, il faudrait que j'aille les déposer, ouais. Bref, bah écoutez, je vous laisse, je suis avec mon frange. Allez, tchou. Bon, il est 13h30. Avec, je suis avec mon petit frère. On s'est fait un petit repas tous les deux. On a regardé le replay de Secret Story. Alors, c'est pas du tout son truc à tonton. Mais moi, ça me fait. Enfin, moi, j'aime bien. Donc, j'ai regardé le replay parce que je l'ai pas vu hier. Et zou, il est parti descendre Fidji encore. Il se promenait, il est parti se poser au chaud en fait, au soleil. Et je vais le rejoindre parce que il fait bon. Il fait bon et on va profiter du fait qu'il fasse à peu près bon pour se la couler douce, tranquille. Je vais prendre une petite veste juste histoire de. Enfin, une veste, genre je prends un truc à l'arrache.com histoire d'être couverte s'il y a du vent frais. Oula. Mais j'ai vraiment pas besoin parce qu'il fait chaud dehors. Hop, mon téléphone au cas où. Parce que Chouchou il m'appelle de temps en temps. Et. Il m'a demandé son paquet de trucs là, vous savez, ce qui est pas bon pour la santé là. Et que je ne prends pas moi. Mais que lui il prend. Est-ce qu'il a de quoi l'allumer son truc? Sa truc, parce que son truc ça peut paraître ça peut être paraître chelou. Mais... Et ben. Ha, je sais pas. Bon, au pire il en prendra pas. C'est une bonne solution aussi. Tchac, tchac, tchac. Je prends pas d'écharpe, pas besoin. De toute façon on est juste en bas. Il a pris les clés, donc on est bon pour rentrer. Allez, bah go hein. On va essayer de filmer avec lui. Peut-être même prendre la deuxième petite caméra. On va voir. Bof, bof, bof. Y a même pas besoin de veste. Ah, je suis contente. Je sais pas, c'est un peu un truc que je ferais d'habitude. Je sors mon chien vite fait. Je me pose jamais trop devant chez moi. Mais là, clairement, il fait tellement bon. J'aurais presque mis une serviette dehors là et on se serait calé en train de lire un livre ou autre. Ça aurait fait du bien. Mais mon fifi ? Et oui, qu'est-ce qu'a fait la maman ? Hein ? Et ouais, mon gros ? Elle va voir tantôt. Mais j'aime pas trop me caler là maintenant parce que, avec le jardin potager et leur association là, c'est pas des voisins que je porte dans mon cœur donc j'évite d'y aller parce que je les aime pas. Je suis pas sociable, je sais. Tiens, Loulou. T'as de quoi l'allumer par contre ? Ah, oh, j'ai eu peur. Voilà. Après, c'est joli leur truc, mais ils sont cons. Allez, j'ai pris une veste en me disant on sait jamais s'il fait froid, mais en fait. Non, il fait froid. Que dalle, que nenni. Il fait vraiment très très bon. Et souvent, il y a toujours un mec ici, là, en train de chipoter là sur ces trucs-là. Et c'est pas des gens que j'aime bien. On va prendre des couleurs, hein? Enfin, Mimi, elle va prendre des couleurs, parce que Mimi, elle a pas trop l'habitude de sortir. Il faut que je bronze mon bras avant d'avoir les cicatrices. Peut-être pas trop, remarque. Parce qu'après, je vais avoir les grosses cicatrices rouges. Ça va pas être terrible. Fifi, t'es fatiguée? Ça y est, t'as fini ta sieste? Tu vas faire pipi, Fifi? Oui? Oui, j'ai fait. Tu veux rentrer? Non. Ok. On va faire un tour. Voilà, on te voit plus. Bon, on attend Nono. J'ai interdiction de filmer mon frère, alors je suis obligée de trouver des subterfuges pour que je puisse me caler et sans qu'on le voie. Vous voyez là, il est juste là, là. Mais, mais vous voyez que c'est Mimine. Il veut pas montrer son fiacre, mais pas terrible. Ben, il va pas vous montrer son fiacre. Quoique je suis sûre qu'il serait plus capable de vous montrer son fiacre que sa tête. Bref, on attend Nono, il est quelle heure ? 15h18, il finit à 45, donc on a un petit moment pour à attendre. Et du coup, j'ai ouvert le coffre, comme ça, il y a mon chien qui prend l'air là derrière. Et au moins, il n'a pas trop chaud. Voilà, et je suis grave contente de mon style. Bon, on voit un peu ma bidoche, là. Mais je suis grave contente de mon style aujourd'hui. Je suis trop stylée. Oui, j'ai craqué, je sais. Le parent en question ne veut pas. Si le parent en question ne veut pas, dis-lui.
Non, il a pas dit ça. Ça m'étonnerait que tu dises ça à ton parent. C'est un couillon. Non, non, c'est pas un couillon, non. Allez, donne. Bon. Hop là. Je suis à contre-jour. Cette poisse. Je rêve. L'autre, il taxe le téléphone à tonton parce que je lui ai dit non sur son téléphone à lui. C'est tonton qui lui a dit. Ouais, c'est tonton, ouais. Toujours tonton, de toute façon. Un fouille merde, celui-là. Bon, du coup, on s'est arrêté à une boulangerie autre que celle qu'on va, à laquelle on va d'habitude. Baisse le son, par contre. Il vient juste de rentrer sur le jeu et la parce que... Parce que bah, la boulangerie à laquelle on va d'habitude est fermée. Elle réouvre que le 2 mai, donc soit dans 2 jours. Fallait on s'est garé devant et on s'est dit « Ah mince, c'est vrai que c'était noté, on l'avait oublié. » En plus, elle nous, on les a croisés pendant les vacances dans des magasins et elles nous ont dit « Vous vous rappelez que c'est fermé ?» Et puis je leur ai dit « Oui, oui, vous inquiétez pas, on a prévu. » Et puis j'ai carrément oublié après. Du coup, on est allé un petit peu plus loin. Alors, on est à 5 minutes de là où on doit aller... au rendez-vous, donc enfin chez l'orthophoniste, et du coup on attend un petit peu et on va y aller après. Par contre, on va partir un peu plus tôt que, enfin on a rendez-vous à 17h30, je pense qu'on va partir vers 17 même si on est qu'à 5 minutes parce qu'il y a un monde sur la route et juste sur cette petite parcelle là, les voitures sont quasiment à l'arrêt, donc on va pas perdre trop de temps et on va faire en sorte d'arriver à l'heure quoi. Ce serait dommage qu'à 5 minutes on arrive en retard quoi. Voilà, la boulangerie ici est pas commode mais c'est plutôt bon. C'était très bon, ouais. Et puis il y avait des trucs là, des patoches là, elles avaient l'air trop trop bonnes. Même les sandwichs et tout, t'as vu les trucs là, avec les saucisses et tout. Ça avait l'air méga bon. Par contre, ils sont une dizaine derrière au niveau du comptoir. Il y en a qu'une qui sert. Je sais pas à quoi ils servent les autres, je les ai pas trop vus. Ouais, mettre les commandes. Il y en a ouais. Une qui écrit, il y en a une qui écrit. Ouais, j'en ai vu une, c'est tout. Arrête. En fait, mon frère, il me gratte depuis tout à l'heure, il arrête pas de me gratter ou j'arrive pas à me gratter. Il me voit galérer, du coup, il me gratte à la place. Mais c'est bon, t'inquiète, si je veux vraiment me gratter, je fais ça. Messieurs, dames, bonjour. Il est midi, 1h, il est 13h. Ils ont tout mangé, c'est dingue. Bon 1er mai, aujourd'hui ça fait un an que j'ai eu mon accident. J'ai eu du muguet donc c'est bon, tout va bien. Nolan est en train de faire ses devoirs. Chouchou va se préparer. Enfin là il fait le cac parce qu'il a vraiment envie de l'enquiquiner en train de siffler. Chouchou! Tiens, c'est dingue ça! Ça le fait rire en plus, il m'énerve. Bref, il va se préparer, on va aller chercher du muguet parce que nous on n'en a pas pris pour l'instant. Et on va aller en offrir du coup aux parents de Chouchou. Je sais pas quelle heure exactement mais on verra en fonction. S'il te plaît. Ouais. S'il te plaît. J'étais obligée d'attendre qu'il soit parti parce que sinon il me fatigue. Donc je vous disais que Chouchou va se préparer et qu'on va aller chercher du muguet nous pour l'offrir à ses parents. Et peut-être nous en offrir à nous, peut-être aussi à ma maman. Ouf, mais je sais pas si on va l'avoir rapidement ou pas, donc ça sert à pas trop à grand chose. Mon petit frère a amené son petit brin de muguet là ce matin. Et voilà, du coup il a... conjurer le sort, puisque bah, il y a un an en fait Chouchou m'avait pas offert de muguet et du coup bah voilà ça pique. Et il pleut aujourd'hui, il fait pas très beau, Chouchou est en repos du coup, enfin en repos il travaille pas, c'est le 1er mai. Nolan est pareil en repos donc il est pas allé au collège. Et comme il pleut, ils se disent c'est un temps à aller à la pêche. La pêche a réouverte depuis ce week-end, il y a beaucoup de monde à l'ouverture forcément. Mais là il y a aussi de la pluie et ça embête un peu Chouchou d'être sous la flotte... avec Nono, bien que Nono il est motivé de chez motivé, il irait avec n'importe quel temps il irait. Mais d'abord il finit ses devoirs. En fonction du temps, si ça s'améliore ou pas, peut-être qu'ils iront y faire un tour, peut-être une petite heure. Et elle dit encore, oh pardon, je baille. Et après bah voilà, moi je continuerai. Enfin de toute façon, je peux pas aller avec eux à la pêche puisqu'ils y vont en flotte tube. Donc à partir de là, je vais devoir rester à la maison moi. Et du coup, bah, j'en profiterai pour faire du montage et continuer ce que j'ai à faire. Enfin comme d'habitude quoi. Oui, il faut vraiment que t'ailles chez le coiffeur, chérie. Parce que là... Oui, là tu ressembles à rien. Ah oui, là c'est le bordel, sauf qu'aujourd'hui ça sera mort, mon petit chéri. Il faudra que tu fasses avec aujourd'hui. Jusqu'à ce week-end. Jusqu'à ce week-end, chéri. Oui. Mais voilà, j'avais pas fini ma phrase et tu m'écoutais déjà plus. Ouais. Voilà, programme tranquille aujourd'hui. Demain, mon petit frère revient à la maison. J'ai rien de prévu particulièrement. Et vendredi, je crois que j'ai un truc à faire. Ah oui, mon frère m'accompagne à mon arthroscanner qui est donc vendredi matin. Nolan va partir au bus et on va directement foncer nous aussi puisque j'ai rendez-vous à 8h30 le matin. Donc je vais avoir un peu les yeux collés. Mais voilà quoi. Je vais y aller avec mon petit frère parce que j'ai peur de pas pouvoir faire le retour comme il faut. Sachant que j'ai croisé une dame au centre de rééducation qui avait fait du coup un arthroscanner juste avant moi. Elle l'a fait au genou et elle m'a dit j'ai le genou qui a doublé de volume, j'ai eu hyper mal. Enfin bref, c'était hyper désagréable. Donc
Par précaution, histoire de pouvoir d'être sûr de pouvoir faire le retour, j'ai demandé à mon petit frère de venir avec moi. Et puis bah, lui, ça le fait plaisir. Donc, Et puis vendredi, bah, Chouchou est en vacances hein, pour toute une semaine, enfin 10 jours. Et Nono, lui, est en congé la semaine prochaine. Enfin, en congé. Il a presque une semaine de vacances aussi, puisqu'il aura que collège lundi et mardi matin. Et après, c'est fini. D'ailleurs, il faut que je remplisse ton carnet, Nolan. Bref, c'est tout pour le moment. Ça va être pendant toute la saison de Secret Story. Et encore, je crois que je le faisais déjà plus ou moins avant. Vous êtes pas prêts. Bon, finalement, le flat-tube de Nono était cassé, enfin, percé. Du coup, ils ont dû le regonfler et voir où était le petit trou. On a accompagné Chouchou pour aller chercher du muguet pour ses parents. Par la même occasion, on en a reçu aussi tous les trois, c'est-à-dire Léa, Nolan et moi. On est allé faire un petit tour, du coup, enfin, on en a profité pour s'arrêter un petit peu chez les parents de Chouchou, puis on a fait un petit tour en Espagne. Sur le retour, on avait laissé Fidji chez les beaux-parents, donc forcément, on y retourne. On a passé une bonne partie, du coup, de la journée chez les parents. Et après, on est rentré. J'ai fait péter le tablier. J'ai une coiffure approximative. Il est 10h, je suis encore en train de faire la cuisine. On est rentré tard. En fait, on est allé sur le col d'Ibardin en Espagne. Attendez, je baisse la son parce que... Toc. Et on est allé voir les parents chouchous, on a fait une belote. Enfin, ils ont fait une belote parce que moi, je sais pas jouer à la belote. Et après, on est allé au col d'Ibardin. On est revenu à la maison. Ils ont refait une belote, etc. Parce qu'il y avait le frère de Chouchou et sa copine. Et on a profité pour manger là-bas. Donc, on a mangé en décalé. On est rentré assez tard. On a fini ses devoirs sur le fil du rasoir. Chouchou est parti se coucher plus tôt que prévu. De toute façon, on avait le ventre plein. On a tellement mangé en Espagne qu'on n'a pas mangé ce soir. Sauf Nolan qui a mangé un petit peu plus ce soir. Et voilà, là, du coup, je me suis mise à préparer le repas en rentrant en pensant qu'on allait manger quelque chose d'autres. Et finalement, tout le monde est parti se coucher, donc bah, je suis encore en train de préparer le repas. Je fais des saucisses lentilles. Du coup, j'attends que ça mijote. Enfin, je fais cuire ça à feu doux tranquillement. Là, c'est sur la fin. Clairement, c'est vraiment sur la fin. Et là, il est 10h. Moi, j'ai rangé ma maison. Voilà, il y a rien qui traîne sur le canapé. Il y a rien. C'est quand même à noter, c'est très rare. Et je vais me démaquiller. J'ai pris mon démaquillant là qui était dans la chambre pour pouvoir ne pas avoir à réveiller Chouchou. Je vais finir de préparer la gamelle de Chouchou et après je vais aller me coucher. Là j'hésite du coup vu qu'il est 10h et que ce qui est à la télé franchement c'est nul. Là je suis en train de regarder Élodie Pou se marie sur W9. J'aime bien Élodie Pou mais là vous voyez c'est Éric Antoine. Je déteste ce monsieur. Je peux pas me le voir. J'arrive pas du tout à coller avec ce type de personnage. J'aime pas du tout. Et du coup j'accroche pas du tout. Donc je pense que je vais regarder un replay. Et si je regarde pas un replay, je pense que je vais me mettre sur YouTube. Mais ça sera... Je vous dirai demain ce que j'ai fait parce que franchement, là, je suis en pleine hésitation. Je vais finir d'abord la gamelle de Chouchou avant de me poser. Et voilà. Du coup, on se retrouve demain. Demain, il y a mon petit frère qui revient. Il revient vers 10h. Normalement, on va pas faire grand-chose. On va sûrement rester à la maison tranquille. Je sais pas s'il fait beau demain, mais il me semble pas. Donc voilà, s'il fait beau, on ira peut-être se balader. J'ai des trucs à poster, donc peut-être qu'on ira se balader... et poster mon courrier. Sinon on fera rien d'extraordinaire. Donc voilà, je sais pas trop ce qui est prévu demain. Enfin voilà, ça va être... Voilà, one again, a beast to fly, je pense. Plus que 2 jours de travail pour Nolan et pour Chouchou qui sont partis se coucher, du coup. Avant d'être, j'allais dire, en semi-congé. Ils ont hâte, hein. Franchement, ils ont hâte. Là, c'est comme un air de vacances. On a juste le temps qui suit pas et c'est dommage. Et ils attendent qu'une chose, c'est de pouvoir aller à la pêche, les deux. Donc, voilà. Ils ont pas pu aller à la pêche, au fait, aujourd'hui. Je crois que vous avez dit qu'ils iraient plus ou moins à la pêche, mais ils peuvent pas. Ils ont pas pu y aller parce que sur les 2 flat tubes qu'ils ont, donc les deux petits bateaux qui leur permettent d'aller pêcher en lac, enfin, à l'intérieur du lac. Oula, il y en a un qui est percé et qu'ils ont essayé de reboucher du coup, mais ils n'avaient pas ce qu'il fallait, donc on a hésité de commander, et puis finalement on va peut-être aller voir en magasin directement. Donc voilà, du coup ils n'ont pas été pêchés, ils iront sûrement soit ce week-end, soit la semaine prochaine. En attendant, Nolan il attend, mais il a qu'une hâte, c'est ça, c'est d'aller pêcher en flotte tube. C'est un truc de fou comment la pêche ça peut l'attirer à ce point. Bref. Ça va leur faire un petit peu de bien à tous les deux. Et j'espère qu'ils ramèneront du poisson. Ce serait marrant que Nolan attrape un gros poisson et qu'il le montre à Chouchou. Ce serait très marrant. Bref, je vous laisse. Je vous dis à demain. Je sais pas ce qu'on va faire demain, mais on verra. Vous avez l'habitude. Vous savez quoi? Je vais peut-être ranger ce meuble-là encore. Enfin, ranger. En fait, j'aimerais bien qu'il soit vide de chez vide. Donc si on fait rien demain, je vais m'étaler là avec mon petit frère. Je vais voir. Peut-être que je rangerai mes trucs là qu'il y a là-dessus. J'aimerais bien qu'il soit vide. Mon rêve, ce serait qu'il soit vide. D'ailleurs, mon rêve tout court, ce serait qu'il dégage. Parce que je peux pas me le voir. Je déteste ce meuble. Surtout l'emplacement qu'il a, j'aime pas du tout. D'ailleurs, j'aime aucun de mes meubles ici. J'aime pas du tout ma maison. Bref, je vous laisse. On se retrouve demain. Messieurs, dames, bonjour. On est jeudi matin, je suis en train de me faire un chocolat chaud. J'ai amené Nolan au collège parce qu'il pleut.
Normalement, ce soir, il rentre en bus parce que il fera meilleur. En tout cas, le soleil se lèvera. Se sera levé, plutôt. Voilà, du coup, je suis levée tôt. Je pensais pouvoir dormir un peu, mais en fait, ça a raté. Je suis en train de surveiller mon chocolat, ça fait un petit moment que j'en ai pas fait. Du coup, je sais plus combien de temps je mets, si je mets 1 minute ou 1 minute 30. Bon, au pire, il sera trop chaud, j'attendrai, mais bon. S'il pouvait être pile poil à la bonne température, ça serait cool. Ce matin, j'ai un peu le nez pris. J'ai un petit peu d'asthme chelou. Bref, quand je tousse, je sens que j'ai un sifflement derrière. Rien d'extraordinaire et rien non plus de grave, mais c'est chiant. C'est surtout très chiant. J'ai pas mis 1 minute 30. J'ai coupé avant. J'ai trop peur qu'il soit trop chaud. Et là, j'ai envie d'un truc qui me réchauffe, mais je voudrais pas me brûler non plus. Donc ouais, bof. Ça se trouve, ça va passer dans la matinée, hein, mais là, pour l'instant, je sens que j'ai un peu les naseaux pris, encore une fois. C'est génial. Isa m'a dit dans un des commentaires qu'on les enchaînait beaucoup avec Chouchou. C'est vrai qu'on les enchaîne pas mal. En fait, on a une guigne pas possible depuis quelques temps. C'est chiant. Mais bon, on a espoir que que la roue tourne une bonne fois pour toutes. Après tout, il n'y a pas que nous qui devrons être ciblés. Il faudra bien que ça tourne un peu. Du coup, là, je vais regarder, je pense, un replay. Aujourd'hui, de toute façon, ça va être replay sur replay, je pense. Mon petit frère va m'accompagner dans les replays. On ira du coup à la poste s'il veut, avec moi. Et je pensais peut-être même aller chez Leroy Merlin. Parce que, vous savez, mon volet, là, il marchait plus. Enfin, je pouvais plus l'ouvrir parce que la moulinette, là, elle était partie. Chouchou me l'a remise plusieurs fois. Moi aussi, j'arrive plus ou moins à la remettre. Et encore, ça dépend parce que faut que j'arrive à caler la lampe torche. Parce que comme j'ai qu'une main pour la caler, c'est chiant. Mais là, en ce moment, il se met pas bien. Ce qui fait que j'arrive pas du tout à la remettre moi-même. Et là, bah, Chouchou est parti sans ouvrir le volet parce que je dormais. Enfin, je somnolais. Du coup, bah, j'ai pas pu ouvrir le volet ce matin. Donc je me demande si je vais pas genre aller à Leroy Merlin acheter le fameux truc qui manque là, et comme ça au moins on sera tranquille et Chouchou pourra le réparer une bonne fois pour toutes. Voir Chouchou, voir mon petit frère, comme ça va peut-être l'occuper. S'il a envie de s'occuper, il le fera. Et voilà, je sais pas trop si on ira ou pas. Le problème c'est que j'ai peur d'y aller, de me planter dans les dimensions. Enfin je sais pas, il doit y avoir des dimensions spéciales ou des trucs spéciaux que je ne saurais pas regarder spécialement. C'est pas trop mon domaine le bricolage. Même si ça a pas l'air d'être compliqué, franchement c'est une moulinette à changer, il y a un câble, enfin il y a juste un truc à mettre dans un trou quoi, donc jusque là ça devrait le faire, mais bon, je vais voir, on verra dans la journée, même en fin de matinée, je sais pas du tout, je sais pas si c'est ouvert entre midi et deux au pire, j'en ai aucune idée. Bref, je vais regarder un replay là, il est 8h et après ben mon petit frère va arriver, j'irai à la douche, j'essaierai de me lisser les cheveux si j'y pense, bien qu'il pleuve, donc est-ce que c'est vraiment le bon moment de se lisser les cheveux, je sais pas, mais comme en ce moment j'ai pas de balnéo et tout ça, enfin comme du coup c'était hier, c'était férié, donc j'ai pas eu, demain j'ai mon rendez-vous arthroscanner, donc j'ai pas, donc voilà, je me dis que je peux éventuellement je peux m'occuper de moi quoi, je peux même tenter de mettre mes lentilles, peut-être que je tenterai, parce que la dernière fois je vous ai dit que je tenterais, mais finalement j'ai pas tenté, donc là peut-être que je peux tenter, j'ai le temps en fait, plutôt que de regarder des replays, même en regardant des replays je peux le faire, donc à voir. Bref, je prends mon chocolat et puis on se retrouve tout à l'heure, on verra ce qu'annoncera la journée. Est-ce que je vous mets un petit grand plan, vous savez là, le, comment on appelle ça là, le grand angle. Ça y est, je m'éclate moi avec mon grand angle. Quand j'ai fait la voix off du vlog dernier, je rigolais toute seule parce que du coup les voix off je les fais vraiment en dernier. Je prends vraiment toutes les parties où j'ai de la musique, enfin ou en tout cas où je veux mettre de la voix off et je les enchaîne. Et là à chaque fois qu'il y avait un truc, c'était hop mode grand angle, je dis oh c'est trop drôle, c'est trop fort, enfin c'est trop drôle. Il y a rien d'extraordinaire, mais moi ça m'a fait rire parce que sur le moment je me suis dit ah ouais, je leur en ai mis quand même beaucoup finalement. Donc ça m'a fait rire. Voilà. Bon allez, je vais mettre, je sais pas ce que... Ah oui, Marie au premier regard, ça, je sais que ça va pas forcément plaire à mon frère, donc je vais faire ça. En plus, ça tombe bien, ça dure à peu près dans ces eaux-là au niveau du temps, donc c'est parfait. Bon allez, à toutes. Oh putain. Ça fait deux fois, bordel, c'est casse-couille. Je viens de répondre à un appel... L'arthroscanner que j'ai prévu demain, finalement, ils peuvent pas parce que le scanner est fermé. Il y a 3 semaines, on me l'a décalé la veille pour le lendemain, pour demain du coup. Et là, on me dit encore, ben non, on vous le décale pour dans 15 jours. Non, c'est une blague en fait. C'est une blague, ça fait plus d'un mois et demi qu'il est pris mon rendez-vous et on me prévient la veille pour le lendemain. C'est un truc de fou, je suis dégoûtée. Comme si j'avais pas assez de stress. Truc de malade. J'ai envie de tout casser là. En plus, j'ai annulé un rendez-vous que j'avais sur l'hôpital de Bayonne. Si j'avais su, putain. Je crois que je vais appeler l'hôpital de Bayonne, comme ça, moi, je serais sûre. C'est un truc de fou, j'ai annulé. Putain, mais je l'aurais passé depuis longtemps, cet arthroscanner. Si vraiment j'avais gardé ce rendez-vous. Je suis dégoûtée. Putain.
putain, m'a mis les nerfs. J'ai dit, non, mais le 14 mai, c'est dans 15 jours, c'est mort, quoi. Moi, dans 15 jours, j'ai besoin d'avoir mes résultats, de pouvoir les transmettre à Toulouse. Elle me dit, mais moi, j'y suis pour rien. Je comprends bien, mais bon, ça fait deux fois qu'on m'appelle. Le rendez-vous, il est pris il y a plus de deux mois. Et deux fois, on m'appelle la veille pour le lendemain. À un moment donné, ça, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux. S'il y a rien. Et puis en plus, elle me dit, j'ai pas reçu votre ordonnance. Ben, j'ai quand même, je vous l'ai déposée, j'étais au bureau. Donc, ben, je l'ai pas là, je vais vous redonner une adresse mail. Oui, mais je l'ai aussi envoyée par mail. Donc deux fois, je l'ai fait, le bordel. Je suis dégoûtée. Les pleurs, c'est vraiment le stress qui m'envahit, mais c'est un truc de fou, quoi. Je vais appeler l'hôpital de Bayonne, je m'en fiche. Si j'ai une dalle plus tôt, tant mieux, on sait jamais. Mais là, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée, ça fait longtemps que j'aurais passé ça fait tellement longtemps que j'aurais passé mon arthroscanner déjà, j'aurais pu envoyer les dossiers à Toulouse, etc. Je suis deg, je suis trop deg. Je vais essayer d'appeler l'hôpital de Bayonne, j'ai bientôt fini de regarder Marie au premier regard, mais franchement là je m'en fous, c'est la priorité c'est l'arthroscanner quand même. C'est un truc de fou, je suis déjà assez stressée comme ça pour qu'on me dise deux fois il faut le décaler. Et puis c'est pas comme si c'était un truc qui était décalé à la veille pour le lendemain. Elle me dit mais nous on peut pas faire autrement, de toute façon il y a des jours fériés, etc. Oui je m'en fous en fait des jours fériés, je m'en fous. Bah le steak, quand tu prévois quelque chose, tu t'arranges pour que les gens que tu annules ne soient pas trop loin. Dans 15 jours, ça sent que ça fait deux fois qu'on me l'annule quand même le bordel. Je suis dégoûtée. Je suis verte. Je suis dégoûtée. Franchement, cette clinique, c'est de pire en pire. J'arrive pas à comprendre comment on peut faire des choses comme ça et nous dire, bah j'y peux rien, hein, c'est pas ma faute. Hein. Des fois, je me demande si... Alors, vous savez quoi? Au début, là j'ai un flashback qui m'arrive. Quand je suis sortie de l'hôpital pour la première intervention, la première chose que je vous ai dit, c'est la clinique Bellara, c'est vraiment le top, parce qu'ils ont été hyper cool. Alors oui, l'intervention a été très bien, c'était très bien passé, mais l'après, mais c'est une catastrophe en fait. L'après, c'est une catastrophe. La deuxième intervention qui fout le camp, le fait qu'on m'ait gardé 3 jours au lieu d'un, déjà au niveau des soins, c'était pas hyper... Enfin bref, il y avait rien pour me rassurer. Là, je passe des examens, on me les annule. Enfin bref, c'est un truc de fou, mais ça me fout la haine. Bref, j'appelle et on verra. Mon frère, il va pas tarder à arriver. Putain, je suis dégoûtée. Je lui ai dit, hein, vous m'appelez si vous avez une autre date plus tôt. Moi, il est hors de question que je reste sur ça. Je peux pas. Attends, ça fait deux fois qu'on me le décale la veille pour le lendemain. À un moment donné, c'est plus possible, quoi. Vous imaginez, moi, je dois donner des résultats, j'ai une intervention à venir. C'est pas possible. Bref, je suis en boucle, j'arrête. Je vous dis à tout à l'heure. Je vous prends vite fait, ça va mieux. Il y a mon frangin et ma frangine qui sont à la maison. J'ai toujours pas réussi à avoir l'hôpital de Bayonne pour éventuellement prendre un autre rendez-vous. Donc, j'ai un peu laissé tomber parce que j'ai appelé... attendez, j'ai pas... Il est où le téléphone? Il est là. J'ai appelé... Attendez, je vais vous dire combien de fois j'ai appelé. J'ai appelé 16 fois, 13 fois... Et 5 fois. Bref, il y avait toujours 5 minutes d'attente à chaque fois. Et ça nous demandait... Tu veux te refilmer, tata? Ça me demandait de rappeler à chaque fois, donc j'ai pas bataillé. Puis après, ils m'ont changé un peu les idées, les deux gros, là. Puisque j'ai dû faire un petit courrier de remontrance pour les bailleurs de ma frangine. Le frangin, qu'est-ce qu'on a dû faire? Avec les rien. Copineaux. Rien, moi, au programme, il n'y avait rien. Il n'y avait rien, c'est ça. Donc voilà, du coup, j'ai les deux à la maison et je me fais offrir un McDo. Pas par moi. Loulou. Bref, du coup, on s'est habillé. Enfin, je me suis habillée vite fait. Je suis pas douchée, mais je suis à peu près propre. Et ça va, pue pas. Et je vais aller, on va prendre ma voiture et on va aller à McDal. Je vais prendre les de quoi poster, puisque du coup, c'était la seule sortie que j'avais prévue du jour. C'était d'aller à la poste. Faut poster ça. Ouais. Vous iriez à Bassu avec moi, Viteuf aussi? Ah mais non, on est jeudi. Je peux pas aller à la Bassu. Bon bref. Les deux premières, juste la dernière, elle est pas fermée. Voilà. Voilà, on va faire ça. Vous aviez quelque chose à faire aujourd'hui, Nana? Je vais déposer mon courrier salé. Et c'est où? On ira en passant, au pire. T'as les gosses ce soir? Bon, il est 1h, de toute façon, on a large le temps. Quelle heure il est? 1h, je viens de le dire. Bon, allez, tchou. Franchement, je trouve ça tellement dommage que mon petit frère, ils veulent pas que je le filme, surtout dans ces moments-là où on se retrouve tous les trois, parce qu'il y a des fois, vraiment, on délire vraiment beaucoup. On se prend des fous rires pour un rien. Ça peut être d'un tout petit truc ridicule à un truc hyper cool, des trucs de notre enfance comme des trucs de maintenant. Vraiment, on déconne vraiment beaucoup. C'est tellement dommage, je suis déçue. Bref, on est allé à McDo et c'était cool. Tata le retour. Ouais, c'est pas les mêmes. C'est un quartier plus sauvage. Elle va tomber. Elle s'est mis carrément sur les trucs. Il n'y a pas son cadre. Celle-là, il y a peut-être un peu la plus grosse. Non. Si. Hop là.
Attends, il arrive l'autre. Putain, elle est plus grosse. Hop là. Là, ma sœur, elle était en train de regarder des anciennes vidéos de moi où on avait déconné, donc, enfin de moi, de mes anciennes vidéos pour voir des passages dans lesquels on avait extrêmement rigolé. C'est à ça que ça sert les vlogs, vraiment, c'est à garder des bons souvenirs comme ça, surtout quand c'est des vlogs qui sont faits en famille, c'est trop cool. Bon, je pourrais presque me mettre dehors. Ce matin, il faisait pas beau, mais aujourd'hui, enfin ce soir-là, il fait bon. Nolan est enfin couché, il est 21h tout pile, et qu'est-ce que c'est que derrière? Ah, c'est le bout de bois. Et on a bien mangé, on a mangé saucisse lentille que j'avais fait maison la veille. Du coup, je vous en ai parlé, il me semble, je crois que je l'ai dit en vlog déjà. Bref, et ça y est, tout le monde est couché. Ouais, je suis hachée aussi, j'ai pas fait de montage de la journée. Finalement, on a glandouillé avec mes frangins. Et du coup, demain, je pense que je vais faire un peu de montage, vu que mon arthroscanner a été décalé. J'ai encore essayé cet après-midi d'appeler l'hôpital de Bayonne, mais rien à faire. Je tombe toujours sur « désolé, la ligne est occupée pendant plus de 5 minutes, merci de nous recontacter ultérieurement ». Donc génial. Et puis après, je crois que j'ai rappelé vers 5h30 en me disant « de 5h30 à 6h, peut-être que ça va se calmer ». En fait, bah, ça coupait direct, donc je pense qu'en fait, à 5h30, je crois qu'ils arrêtaient de bosser. Donc bah voilà, écoutez, je vais retenter demain matin, en espérant avoir quelque chose. Mais en même temps, j'ai envie de vous dire, c'est la semaine prochaine, et on est déjà vendredi, donc c'est à quasiment une semaine, donc je peut encore attendre, on va dire que ça comme ça. J'ai quand même envoyé un mail à la secrétaire du chirurgien sur Toulouse pour lui dire que bah voilà, je galérais à avoir un rendez-vous honoré pour mon arthroscanner et que si vraiment il me le redécalait, je voulais le prendre à Toulouse pour espérer avoir une place. Vu que j'arrive la veille de mon intervention, peut-être que c'est jouable si je fais l'arthroscanner la veille de mon intervention par exemple. Pour savoir que je trouve un rendez-vous et que j'arrive avant le rendez-vous, mais normalement comme j'arrive la veille, il n'y aurait pas de souci. Mais bon, ça j'ai fait une demande, après si je passe mon arthroscanner la semaine prochaine, finalement ce sera pas plus mal. Donc à voir, écoutez, on verra bien. Voilà. Écoutez, je vais laisser mon ordi charger. J'ai commencé à charger des fichiers de cette semaine. J'ai un bon rythme là, avec la fonction rasoir, là c'est hyper cool, ce qui fait que ça me permet d'avancer un petit peu et de gagner un peu de temps sur ce que je veux garder et pas garder, et après de pouvoir faire le montage tranquille. Si j'arrive à faire un peu de montage demain, ce sera cool, comme ça je pourrais vous le reposter comme ça à une date précise, parce que j'ai réussi à trouver un petit rythme maintenant. Si c'est pas le cas, c'est pas le cas, c'est pas grave. Voilà les amis, je vais aller me coucher, rejoindre mon chéri, et puis écoutez, on se retrouve demain pour nous. Voilà, demain il y a encore mon petit frère qui vient, il m'a dit qu'il revenait vers 10h à nouveau. En ce moment il travaille pas, donc il est souvent à la maison, il vient passer son temps avec nous. Et voilà, il y a Léa aussi qui arrive demain soir, si j'ai bien compris. Et du coup je sais pas ce qu'on va faire ce week-end. Normalement on va peut-être aller au cinéma, regarder, aller voir un truc en plus, un petit truc en plus je crois que ça s'appelle, j'adore, c'est avec Artus et j'ai vu plein d'épisodes, plein de petits moments que j'ai trop kiffé. Et Artus, j'avais beaucoup aimé son sketch sur les handicapés, qui pour moi sont des gens comme tout le monde, hein. D'ailleurs j'en suis une maintenant. Mais voilà, il me fait rire parce qu'il a vachement d'autodérision, enfin il apporte beaucoup d'autodérision au truc et c'est hyper cool. Bref, on en reparlera d'ici là parce que ça se trouve on n'ira pas. Moi en attendant je vous laisse et on se dit à demain, enfin dans quelques secondes quoi. Tchuss. Messieurs, dames, bonjour. Nous sommes vendredi, j'ai attaqué tout mon ménage ce matin, avec un peu l'aide de mon petit frère, faut l'avouer, qui m'a bien aidé. Pour les petites tâches que moi j'arrive pas spécialement à faire, j'ai profité qu'il soit là et il m'a dit oui, ok, pas de soucis, et puis il l'a fait. Donc impeccable, là il est donc avec moi, ma maman va pas tarder à arriver, et nous embarque avec elle en Espagne, ils vont s'acheter, vous savez, tout ce qui est cigarettes, etc. Et voilà, et du coup après, on rentre, on fait juste un aller-retour, c'est juste histoire d'eux. J'ai mis mes lentilles aujourd'hui, j'ai réussi à les mettre, donc je suis trop contente, je suis en train de tout fermer parce que je vais laisser Fidji là. Et par contre la fenêtre c'était pas obligé. Et oui, je vous disais, j'ai mis mes lentilles, j'ai réussi à les mettre. Alors je vais pas me maquiller aujourd'hui parce que j'ai envie que mes yeux s'habituent déjà à mes lentilles que j'ai pas mis depuis longtemps, enfin que j'ai pas réussi à mettre depuis longtemps. Et je me suis lavé les cheveux ce matin, je les ai laissés sécher à l'air libre comme ça, sans les attacher, donc il y a plein de frisottis partout. Mais c'est pas grave, c'est parce que je voulais essayer de me les lisser pour ce week-end. Donc voilà. Bonjour tonton. Vous ne verrez pas son visage. En fait, il m'a expliqué hier que... Il n'a pas envie en ce moment d'être filmé. Monsieur est un n'aime pas trop les paparazzi et préfère être dans les paparazzades. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, je suis en train de chercher du coup mes lunettes de soleil parce que bah, comme j'ai mis mes lentilles, il va pouvoir mettre ses lunettes de soleil et ça l'a pété. Bon, c'est juste histoire d'eux, ça cachera mes yeux pas maquillés et ce sera nickel. Mais bon, c'est pas une obligation, mais ça me fait kiffer moi. Ça fait un an que j'ai pas mis mes lunettes de soleil parce que je pouvais pas mettre mes lentilles. Hé hé. Voilà, je suis contente. Bon, je suis pas coiffée du coup parce que j'y arrive pas. Attendez, j'arrive pas à monter plus. Mais voilà quoi.
ça passe. De toute façon, je vais mettre mes lunettes de soleil juste parce qu'il y a du soleil. C'est tout. Voilà. Si je les cale là, par contre, j'ai peur que ça s'installe dans mes cheveux, donc on va éviter. Je suis trop contente de pouvoir remettre mes petites lunettes. J'en ai d'autres, hein, une paire. J'ai celle-ci aussi, qui est à peu près, quasiment identique, mais qui, les verts sont moins bleus. Je les aime bien aussi, mais vous voyez, c'est presque la même chose. Tu préfères celle-là, toi? Ouais. Moi, je préfère celle-là parce que elles sont plus teintées et ça me fait moins mal aux yeux. Mais voilà, j'ai l'impression qu'elles sont de travers. Bref. Voilà, je suis contente, je vous ai fait un essayage de lunettes de soleil. Vous êtes ravis de savoir que j'ai deux paires et que je les mets jamais, parce que je peux pas. Enfin, en ce moment, je peux pas. Voilà, mais là, je suis trop contente, j'ai réussi à mettre mes lentilles. Alors, je garantis pas de réussir à les enlever comme j'ai pu les mettre, parce que c'était assez facile, mine de rien. J'ai réussi à les mettre, j'ai pas trop galéré, comme j'ai pu galérer la dernière fois. Mais j'ai peur que pour le retrait, ça soit plus compliqué. On verra. Il faut que j'essaie de les mettre de toute façon. Je vais peut-être même les embarquer avec moi à l'hôpital. Je vais essayer de les mettre un maximum et d'avoir la technique avant, même de la gauche. Et avec mes petits outils que j'avais achetés, vous savez, sur Amazon. Parce que si j'y arrive, oula, j'arrive pas à les refermer comme il faut. Parce que si j'y arrive comme ça, après, ça voudrait dire que j'y arrive tout le temps. Donc je vais m'entraîner un max pendant qu'il fait beau et que je peux le faire toute seule à la maison. Comme ça, au moins, je serai parée le jour où je voudrais mettre mes lunettes cet été. Parce que cet été, je vais être en centre, mais comme j'ai droit à normalement j'aurai des autorisations de sortie, il est fort possible que j'aille voir la mer. Et si je vais voir la mer, lunettes de soleil, obligatoire. C'est même pas la mer, c'est l'océan. Mimi ou la grosse loutre affalée sur son canapé qui trouve enfin un moment pour faire du montage au calme. J'ai réussi à faire que dalle, mais voilà, j'étais contente, j'étais au calme et devant mon montage. Donc là j'ai coupé toutes les parties que je fais juste avant de faire le montage entre guillemets officiel. J'enlève juste les parties où je parle pas spécialement et comme ça ça m'exclut une bonne partie du vlog, c'est quand même cool. Avec la nouvelle fonction rasoir que j'ai sur mon logiciel de montage, je gagne un temps mais exceptionnellement fou et c'est vraiment pas négligeable sur le fait que ça prend beaucoup de temps déjà de faire du montage. Mais alors avec un bras et demi, franchement, je vous assure que c'est compliqué. Je gagne un temps fou avec cette fonction, c'est génial. Je ressemble à rien avec mes cheveux pas coiffés, enfin pas lissés. Voilà, j'ai mis mon téléphone, mon ordi à charger parce qu'il était sur... j'étais sur le canapé en train de faire du montage. J'ai fait 4 minutes, j'ai pas fait longtemps. Et attendez, j'ai un cheveu, voilà. Et oh, c'est chiant, ça me gratte de partout. Bref, du coup j'ai posé mon ordi parce que du coup il était pas branché sur le secteur, il était avec moi sur le canapé, ça je viens de vous le dire. Ça fait bizarre de me voir démaquillée, les cheveux détachés, enfin sans lunettes, ça me fait très bizarre, surtout de me voir dans le retour. Parce que d'habitude ça m'arrive, mais dans le retour ça me fait très très bizarre. J'ai l'impression que mes yeux sortent beaucoup plus comme ça en plus, ça me fait bizarre. je suis en train de regarder Grey's Anatomy. En fait, j'ai fait du montage. J'en ai profité pour couper tous les petits passages que j'avais pas envie d'avoir. Je suis pas tout à fait terminée. Hein. J'ai fait, je crois, peut-être 10 minutes de ça. Après, j'ai fait du montage sur 4 minutes. Donc voilà, j'ai dû faire un quart d'heure de montage. Et donc, je suis restée peut-être une heure sur l'ordi. Voilà, c'était pas folichon. Mais en même temps, je chargeais des fichiers. Je cherchais des effets à éventuellement inclure dans le vlog. Donc bon, voilà, j'ai pas traîné, mais j'ai pas avancé non plus, quoi. Il est 4 heures. Mon petit frère est parti il y a une heure. En même temps que ma maman. Ma maman, elle est repartie chez elle. Mon petit frère, il est parti faire un tour. Je sais pas s'il va revenir tout à l'heure ou pas. Je lui ai dit à tout à l'heure, mais bon, sans plus. Je sais pas du tout ce qu'il a prévu. Donc je sais pas s'il repassera tout à l'heure ou pas. Nono finit à 5h, donc j'ai encore une bonne heure et demie devant moi. Et Chouchou, lui, m'a dit que s'il finissait tôt, il allait directement chercher Léa. Non. S'il finissait tôt, il rentrait à la maison et après, il allait chercher Léa. Et s'il finissait pas tôt, il allait directement chercher Léa en sortant du boulot. Donc en gros, cette fin de semaine risque d'être plutôt calme, je pense. Je sais pas si mon petit frère vient ou pas. On verra ça tout à l'heure. Ça se trouve, il passera comme ça en coup de vent, histoire de manger avec nous. Et puis après, il repartira. J'en sais rien du tout. En attendant, écoutez, je vais me poser. J'ai une petite heure là. J'ai mis Grey's Anatomy en pause. Je vais regarder la fin de Grey's Anatomy. En plus, c'est des épisodes que j'ai pas vu récemment puisque je me refais la série, la saison en même temps qu'elle passe à la télé, donc on en est à la saison 9 déjà et voilà, et après voilà, enfin j'en rate pas, c'est pas grave, mais de toute façon je la connais par cœur cette saison, donc soit cette série, donc c'est pas très gênant si j'en rate quelques-uns, mais là c'est pour le coup c'est des épisodes que j'avais pas vu depuis un petit moment, donc écoutez, je vais les regarder tranquillement le temps que mon ordi charge et après je me remettrai au montage. Je vais profiter que ce soit calme, que je puisse vraiment avancer. Vraiment, moi je bosse très bien quand il y a pas de bruit autour de moi. Si y a
du bruit autour de moi, c'est foutu, j'arrive pas à me concentrer, c'est très compliqué. Donc c'est bien parce que quand Chouchou il est sur sa Game Boy, là, il met son casque, il insulte pas trop les gens quand il a son casque, donc moi ça me permet d'avancer tranquille. Mon fils geek autant que sa mère, donc pareil, il est au calme dans sa chambre. Lui par contre, quand il a le casque, il papote beaucoup avec ses potes, mais au pire il se met dans la chambre et ça passe quoi. Donc voilà, j'arrive à avancer, mais quand je suis toute seule, vraiment faut qu'il y ait vraiment aucun bruit, pas de télé, rien du tout, sinon j'avance pas. Je vous ai pas montré, mais j'ai mis mon pantalon, le pantalon que j'ai acheté aussi chez Stradivarius, du coup samedi en Espagne, pareil hein, du coup il me va bien, il me va nickel. Par contre j'ai eu du mal à rentrer dedans, enfin je force un peu pour passer le fessier, vous voyez, mais franchement ça passe, ça me gêne pas, il me tient bien, j'ai aucun problème, donc je suis vraiment contente parce que bah, pour le coup mes fringues que j'ai acheté à Stradivarius vont nickel. Alors j'achèterai peut-être pas, ou peut-être que si, parce que là je l'ai enfilé, il y avait pas le bouton et j'ai réussi, j'avais un peu de mal. Quoique je pourrais peut-être acheter des pantalons chez Stradivarius avec des boutons, enfin vous voyez, des petits jeans et tout ça, peut-être que ça m'irait, mais bon le but ce serait quand même de perdre du poids tout simplement, mais là j'avais vraiment besoin de me rhabiller un petit peu. Là j'ai du coup deux pantalons de plus, c'est cool, je m'habille un peu. J'ai acheté un débardeur la dernière fois en même temps que mes trois petites jupes que je vous ai pas montré. Bon c'est des débardeurs, je vous les ai pas montrés, mais parce que c'est des débardeurs que j'achète tout le temps. Là j'en ai acheté un rose comme ça et j'en ai acheté un rose un peu plus foncé que j'avais hier il me semble sur moi, et du coup bah, le pull que j'ai acheté chez Primark aussi samedi, je l'ai essayé hier en fin de journée, je l'avais mis pour vous faire une vidéo, enfin je crois que je l'ai mis en fin de journée, donc je crois que j'ai fait un bout de petit rush avec, et nickel, il me va parfaitement, donc je suis hyper contente, tout ce que j'ai acheté me va. Le pantalon de pyjama pareil, j'ai pas essayé le haut, mais je pense que je l'essayerai ce soir avec le bas, mais je pense qu'il y a aucun problème, et voilà, je crois que j'ai pas essayé aussi le bas de pantalon, le short Primark, mais bon le reste ça m'allait nickel, donc le short je pense qu'il y aura aucun problème là-dessus. Voilà, tout ça c'était pour vous faire une petite update. Là je vais du coup regarder Grey's Anatomy, je vais peut-être me prendre un petit goûter, et encore j'ai pas plus faim que ça. Du coup j'ai été manger, enfin ma mère m'a acheté un sandwich avec mon petit frère et moi, parce qu'en fait on est allé, franchement c'était sur un coup de tête, donc on a prévenu personne. Ma mère est en fait passée par là, elle a pris mon petit frère parce qu'il devait aller se balader, elle m'a dit tu veux venir, je dis ok je viens avec vous, et on n'avait pas mangé ni l'un ni l'autre ni le troisième, donc au départ je leur ai dit bah prenez-vous un petit truc, moi de toute façon je rentrerai à la maison, je mangerai après, de toute façon j'avais pas spécialement faim. Et finalement mon petit frère étant très très coup de tête et très coche-cas, très têtu, m'a pris quand même un sandwich, donc bah écoutez j'ai mangé avec eux, du coup j'ai pris un sandwich avec eux. Et après du coup on est allé en Espagne, mes frangins du coup se sont achetés, enfin mon frère s'est acheté ce qu'il fallait, ma mère aussi pour eux, et ils se sont achetés un petit sac à main chacun, et voilà, bon bref, rien d'extraordinaire. Et moi ben j'ai louché sur les sacs à main, ma mère m'a dit t'en veux un, je te le prends, j'ai dit non t'inquiète pas, je prendrai si vraiment j'en ai besoin, ça m'embêtait, mais bon bref j'étais pas venue pour ça de base en plus, donc je les ai zieutés, je les ai bien vus, c'est à la frontière, donc c'est de la, pas de la marque, vous voyez, enfin bref, et en vrai je m'en fous moi, que ce soit de la marque ou pas de la marque, le principe c'est qu'il soit beau et pratique et c'est tout quoi. Pardon, je fais que bailler. J'arrête pas de bailler comme ça, bah oui, pour me mettre la main dans la bouche. Bref, je pourrais le faire avec l'autre main, mais je tiens la caméra. Oh, on s'en fout, Mimi. On s'en fout, radote pas et va à l'essentiel. Bref, j'en ai vu des pas mal, j'en ai vu des jolis. J'en ai vu un comme celui de Léa, elle a en ce moment. Mais je l'ai vu en rose et j'adore. Du coup, j'ai hésité à l'acheter. Enfin, à l'acheter. Ma mère a hésité à me l'acheter. Enfin, moi, j'ai hésité à le choisir pour qu'elle me l'achète. Et finalement, j'ai dit non, mais t'inquiète pas. Non, il me plaît pas trop. Enfin, bref, j'ai bataillé un petit peu. Et c'est passé comme une lettre à la poste, et du coup je suis repartie bah, du coup sans sac, mais à la limite c'était pas, enfin je venais pas pour ça, je venais vraiment pour que, enfin je les ai accompagnés juste pour être avec eux, c'est tout, j'avais rien à faire moi en Espagne particulièrement, et les sacs à main clairement j'en ai déjà beaucoup, et au pire j'y retournerai avec Chouchou, histoire de ça me changera les idées, enfin ça nous changera les idées, ça nous fera une petite sortie aussi, voilà, donc pas d'urgence, ça se trouve j'irai même avec Léa pour qu'elle s'en trouve un elle aussi, et ça sera très bien, on verra. On n'y est pas, et puis j'ai pas, voilà, pour l'instant j'ai aucune utilité d'avoir un sac à main. J'arrête pas de me toucher les cheveux, ils vont être gras avant même que je les lisse, c'est dingue. J'ai une pince là, je vais m'attacher les cheveux comme je peux. Je voudrais pas trop qu'ils prennent de forme en fait, mais bon j'ai pris le casque donc ils ont eu la forme du casque. J'avais mes lunettes de soleil, du coup ils ont pris la forme des lunettes, enfin ils prennent très très vite la forme de quelque chose mes cheveux, donc ben j'essaye de les lâcher un peu, mais du coup moi tant que je les ai dans la tronche là, ça me fatigue. Ça me saoule, ça me gratte, ça me chatouille là au niveau du cou, je supporte pas. Bref, allez. Je regarde ça, je sais pas si je me prends après un petit truc à goûter ou pas. Et puis bah après je me remets au montage et en fonction on verra si les zouzous arrivent, c'est-à-dire les garçons et Léa.
Mais Léa, de toute façon, elle arrivera beaucoup plus tard puisqu'il faut aller la chercher. Donc voilà, mon chien dort comme un bébé. En ce moment, il est tellement... Enfin, en ce moment, il est toujours câlin. Hein, mais il est très posé, très... Je sais pas, il est trop mignon en ce moment. Je vais pas dire qu'il l'est pas d'habitude, mais je sais pas. Là, particulièrement, il me touche cette semaine. Enfin, je le trouve attendrissant. On dirait un bébé. Il fait que dormir, il se met tout le temps en petite boule. Ou alors, il s'étale comme un gros pépère, là. Enfin, bref. Allez, je mets Grey's Anatomy. Play. T'es pressée, Fifi? Il y a déjà la porte. Allez, go. Bon. Vous remarquerez que je me suis lissé les cheveux et que j'ai mis mes lunettes. J'ai fait ça pendant que Chouchou partait récupérer sa fille. Du coup, il est rentré, il s'est douché, il est reparti. Et Nono est arrivé entre temps pendant que j'étais en train de me lisser les cheveux. Attends, mon gros, attends. Tu descends déjà? Attends. Mais il est bête, il saute. T'es fou, mon gros. Je pensais que le dernier match de la saison, c'était la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et en fait, il reste un match. Et du coup, Nolan, il a un match de prévu demain. Il faut qu'il soit à 11h30. On va y aller, hein, mais on n'avait pas trop prévu ça à la base. Ça se rajoute au programme. Qu'est-ce que je peux me kiffer avec les cheveux lisses. Je peux vous dire, ça change mon moral et ma dégaine d'habitude. J'essaie de voir s'il n'y a pas des voisins. C'est bon, il n'y a pas de voisins. Je pense vraiment que je vais commencer à couper une frange là, enfin, juste là. J'ai vu ma maman aujourd'hui, j'aurais dû lui dire, tu veux pas me couper un petit bout? Parce que là, ça fait trop masse pour moi. Oh là là. Il y a du bruit, c'est chelou. Bref, je vous disais, ça fait... Bon, je suis désolée, vous me voyez pas trop, mais... Ça fait plusieurs fois que je ferme la porte de la cave, vous savez, où il y a les scooters et tout ça. Parce que mes voisins, ils la ferment pas forcément tout le temps. D'ailleurs, je les soupçonne grave de faire exprès. Et du coup, je pense que je vais monter vite fait pour voir si elle est fermée ou pas. Comme ça, je la fermerai pour cette nuit, moi-même. Comme une grande. Ça m'énerve. Ça a le don de m'énerver. Après, on va s'étonner que les assurances, elles fonctionnent pas, qu'il y a des vols, qu'il y a des dégradations, tout ça. Je comprends pas. Ça leur prend 2 secondes de faire 2 tours de clé et c'est fini. À la limite, on leur demande même pas de faire 2 tours. 1 tour, ça suffirait. Mais bon. Bref, je sors mon chien, je remonte, je vais me coucher. Et demain, je filmerai une petite partie du match si j'y arrive. On verra bien. Je vous l'avais dit. La cave, elle était de nouveau pas fermée. Je sais pas si vous avez entendu. Ça gueule chez les voisins. J'en étais sûre que cette cave n'était pas fermée. C'est un truc de fou. Oh là les amis, on est samedi. Il est déjà 11h15. Nolan doit être au foot à 11h30, donc on se dépêche les arts. Ils sont déjà tous descendus, les enfants et les chouchous. Et moi je les rejoins. Je prends juste les dernières petites touches. Je mets les clés sur la porte et taillou. Tchac. Si j'arrive les clés. Voilà, allez, go. Bon, vous verrez ni match de foot, ni ma journée de samedi parce que j'ai complètement oublié de filmer. Je vous montre juste une petite photo de Nolan qui a reçu une petite médaille. Et puis là, je vous ai filmé juste une partie de notre passage à la boulangerie parce qu'on allait chez les parents de Chouchou pour le repas du dimanche. Et c'est tout, je suis désolée, j'ai pas d'autres fichiers. Oh, le maquillage, on dirait que je sors de boîte de nuit, j'en ai partout, ça déborde de partout. Bon, il est 7h. On est dimanche, je crois que je vous ai pas pris de la journée. Parce que en fait, ce week-end, ça a été, on a pas été à la maison de 11h30 hier à maintenant. Allez, on est rentré, il devait être 5h30, 6h moins le quart, quelque chose comme ça. Donc vraiment, on a fait que vadrouiller partout. On est allé dans les magasins, on est allé à droite, à gauche. En plus, il y avait un marathon sur Biarritz, donc c'était très compliqué de se déplacer à Biarritz. C'était un week-end fatigant. En soi, tout était prévu, mais je savais d'ailleurs que ça allait être un week-end compliqué. Mais à ce point, je pensais vraiment pas. Je pensais vraiment qu'on aurait un petit moment de répit. En fait, pas du tout. Vraiment, on dirait que j'ai... Je sors de boîte de nuit. Bref, je vais me démaquiller. J'ai réussi à mettre mes lentilles tout le week-end depuis vendredi. Je les supporte vraiment difficilement. En tout cas, le soir, là, soit il faut que je me mette des gouttes pour m'humidifier un petit peu les yeux, soit vraiment je les supporte pas bien. Le maquillage, il tient pas bien parce que j'ai plus l'habitude et que je pleure beaucoup. Enfin, j'ai les yeux qui pleurent beaucoup. Donc c'est... Je vais pas dire compliqué, mais ça me fait chelou, quoi. J'ai plus l'habitude, vraiment. Voilà. Donc là, je me démaquille vite fait. Nolan est sorti de la douche. Chouchou, lui, est parti il y a 1 heure pêcher. Alors, il y a un temps dehors, c'est dégueulasse. Il fait vraiment moche. Il y a de l'orage, il pleut et tout. Enfin, c'est ce qui était prévu, en tout cas, la météo. Il est parti, il pleuvait terrible. Et puis, finalement, il est resté là-bas. Enfin, a priori,
Il est resté là-bas. Alors je pense que là où il pêche, il doit pas pleuvoir beaucoup. En tout cas, je sais que ça doit se calmer dans la journée, enfin dans la soirée. Donc je sais qu'il reviendra pas tout de suite. Et comme monsieur ne travaille pas demain, autant vous dire qu'il a profité. Enfin, il va profiter de sa soirée. Je pense qu'il va rentrer tard. Moi demain, je vais en rééducation. Donc je reste là parce que quand il pêche, il va pêcher avec son flotte tube. Mais demain, il y a Chouchou, Nolan qui repart au collège et moi qui vais au centre de rééducation. Donc voilà, on pouvait de toute façon pas l'accompagner. Et de toute façon, franchement, je vous avoue qu'il m'aurait dit on sort un petit peu. Je leur ai dit non, mais c'est mort, je suis hachée. Aujourd'hui, on a eu le repas de famille chez ses parents, mais vraiment un repas de famille, parce que d'habitude, quand on y va les week-ends, on est souvent que entre nous. Enfin, il manque toujours quelqu'un au repas. Nous, on y est quasiment tout le temps, mais c'est vrai qu'il manque toujours, une ou deux personnes, soit Léa, soit Mathis du côté du frère de Chouchou, enfin le neveu de Chouchou, soit il manque carrément toute la famille de l'autre côté. Et là, vraiment, on était tous réunis et ça faisait très longtemps que c'était pas arrivé, donc on savait qu'on allait passer un gros dimanche. Mais du moment où on est arrivé jusqu'à ce qu'on parte, vraiment j'étais dans un état de fatigue avant même d'avoir commencé le truc, la journée quoi. J'étais vraiment hachée, déjà parce que la journée était compliquée hier, de deux parce que j'avais mes lentilles qui vraiment me travaillaient au niveau des yeux, et de trois parce que le temps n'était pas trop là quoi. Il était, voilà, c'était un peu mitigé quoi. Je me suis acheté deux produits hier, on est allé du coup chez Action vite fait. J'ai encore acheté des sérums, alors j'ai défoncé les boîtes et je les ai gardées exprès pour vous les montrer. J'ai acheté le super booster comme ça là, choc, de chez Eliza Jones, que j'aime beaucoup finalement, et j'ai acheté celui-ci. Alors il y en a un, c'est anti-imperfection, et l'autre c'est à la vitamine C je crois, sérum visage éclaircissant à la vitamine C, et je les ai pris. Alors ça ira du coup en complément de celui que j'avais déjà. Alors attendez, est-ce que je vais faire une bêtise, que j'ai mon soin à l'aloe vera ici. Alors du coup les pots ils sont comme ça, attendez, alors celui que j'avais acheté la dernière fois avec le Eliza Jones que je vais vous montrer là, ce serait bien que je vous les montre en même temps que vous sachiez de quoi je parle. La dernière fois j'ai acheté ces deux là, donc il y a celui-là, c'était Skin Bliss, et celui-ci c'est un Eliza Jones. L'Eliza Jones c'est un que j'aime beaucoup, et celui-là c'est pareil, c'était un soin nourrissant, enfin bref, je sais plus ce que c'était, super élixir, glow, en bref, c'est censé faire briller un petit peu plus, et celui-ci c'était un anti-imperfection aussi il me semble. Pff, je sais même plus à quoi ils servent. Et bref, j'aime pas trop celui-ci parce que je trouve que celui-ci, pour un sérum, il me sèche vachement la peau. Donc je le mets beaucoup moins. Celui-ci, vous voyez, il est déjà quand même pas mal descendu. Je sais pas si vous allez voir. On voit pas. Voilà, le niveau, il est là alors que il était juste ici, quoi. Donc il est vraiment très très bien. Et du coup, j'ai sauté sur l'occasion quand j'ai vu qu'il y en avait des plus gros. Ça, c'est celui que j'ai acheté. Alors, ça, c'est ceux que j'ai acheté la semaine dernière. Et ça, c'est ceux que j'ai acheté hier. Tac. J'espère que je vais pas les faire tomber. En fait, ce que je voudrais voir, surtout, c'est la taille de... La différence de taille. Voilà. Donc ceux-là par contre ils sont vraiment très très bien. Le jaune je l'ai essayé ce matin. Alors ils sont à mettre matin et soir. Celui-ci je l'ai mis soir. Et celui-ci je l'ai mis ce matin. Celui-ci il sent vraiment très très bon à la vitamine C. Et je pense que si je dois retourner à Action, je pense que je les rachèterai parce qu'ils sont vraiment très très bien. Ils sont très agréables à mettre. J'aime beaucoup le fait que ce soit un soin pipette. Il est vraiment top. Bref, je n'étais pas venue pour vous raconter ça, mais comme je les ai sous les yeux, je vous les montre. Je vais aller me nettoyer le visage. Après je me mettrai du coup mes sérums, mes crèmes et tout ça. Et je vais clôturer le vlog ici. Enfin, il est pas très très long il me semble, parce que je suis en train de faire le montage. J'ai l'impression qu'il est pas très très long, enfin pas beaucoup plus long que d'habitude. Je vous raconte pas énormément de choses dedans, si ce n'est que mon rendez-vous d'arthroscanner a été annulé et que j'ai toujours pas pu le reprogrammer. Après je me raisonne en me disant que finalement c'est vendredi prochain, donc ça va finalement aller vite. Faudrait juste que jeudi m'appelle pas pour me dire c'est annulé, parce que là je crois que je me déplace même. Je leur dis même pas c'est pas possible au téléphone, ou vous me le décalez pas, c'est pas possible. Je crois que je me déplace. C'est vraiment une fois le coup, je crois vraiment que je pète une bulle. J'étais partie pour m'enlever mes lentilles, c'est ça que je devais faire à la base. Me démaquiller et mettre mes lentilles. Donc ouais, je vais enlever... Alors, au fait, je m'éparpille un peu. Mais ça là, que j'avais acheté... vraiment, j'ai les yeux défoncés. Ça, que j'avais acheté du coup pour mettre mes lentilles, eh ben, ça m'a aidé. Ça m'a vraiment beaucoup aidé pour pouvoir les mettre et les enlever. Alors les enlever peut-être un peu moins... Je galère un peu plus, mais j'arrive à le faire en me touchant l'œil comme ça. Mais par contre, à les mettre, c'est vraiment, ça m'a vraiment aidé. Je pense pas que ça m'aide sur les premiers jours à les mettre quand je me ferai opérer. Mais faut vraiment que j'aille me passer un coup sur le visage. Vous voyez, même le bouton, il est parti. J'avais un bout, enfin, il est encore marqué, mais quand même moins marqué. Bref, je suis fatiguée. J'enlève mes lentilles. Après, je vais mettre ces fichiers-là sur l'ordi. Je vais me démaquiller. Enfin, je me démaquille, là, je vais me passer un coup sur le visage, enfin me nettoyer le visage. Après je mettrai mes sérums et après je mettrai mes lunettes et je vais m'affaler je pense vers des replays, parce que du coup vu que Chouchou n'est pas là, autant vous dire que
je vais profiter du calme pour... Et je me demande si je vais pas regarder un replay sur la télé, parce que j'ai raté la finale de Pékin Express hier soir. J'ai pas encore été spoilée, alors ne me dites pas dans les commentaires ce qui a gagné ou qui va gagner, parce que je sais pas qui regarde. En tout cas, moi, je sais que j'ai raté et qu'il faut que je regarde. C'est dégueulasse à faire. Ah, oh, j'arrive pas. Ça y est, c'est une vraie galère. À une main, c'est une vraie galère. Enfin, avec pas la bonne main, surtout, c'est la galère. J'arrive pas à parler et à les enlever en même temps. Alors, attendez. Ah, oh, elle s'est enlevée toute seule. Bref. Oh. Ça m'a chatouillé l'œil. Je sais pas si le vlog de la semaine prochaine sera plus croustillant. J'espère qu'enfin je passerai mon arthroscanner. Ce sera vraiment là. Je crois que jusqu'à la dernière minute, je vous dirai pas j'ai passé mon arthroscanner, tellement j'aurais peur qu'il soit annulé à nouveau. Donc on va croiser les doigts. La semaine prochaine, en plus, il y a Chouchou, donc je sais pas si ça va être mouvementé, pas mouvementé. Moi, je sais que j'ai mes séances de rééducation quand même, donc j'espère que ça va aller. Après, je sais qu'il doit amener Nono à la pêche, je crois, mercredi, jeudi et vendredi, enfin, sur ces jours-là. Donc je vais me retrouver solo, souvent, très souvent. Pas forcément, remarque, parce que mon petit frère doit passer me voir mardi, et peut-être, il y a de fortes chances qu'il passe, du coup, le reste de la semaine aussi. Lundi, non, enfin, demain, non, du coup, puisque je crois qu'il va avec ma petite sœur en Espagne à nouveau, mais... Il est possible qu'il passe sur le reste de la semaine. Alors, je sais pas quel jour, ni quand, à quel moment, mais voilà, il passera sûrement la semaine prochaine. Voilà, bon bref, on dirait que je suis pas démaquillée, mais je vous assure, je suis démaquillée. Je vais me passer un bon coup de Pin-Up Secret, là, ça va me faire du bien. Après, je mettrai mes sérums et tout ça, et après, je vais me poser. Vraiment, j'en ai marre, je suis fatiguée, j'arrête pas de radoter. En plus, je m'entends vous redire 3 fois la même chose. C'est un truc de fou. Je suis hachée. Bon, allez, je vous dis à la semaine prochaine, les copines. On se retrouve dès demain matin pour moi, si je filme. Sinon, je ferai un TikTok, un live TikTok. Oh, je vais peut-être ouvrir le vlog plutôt demain, parce que Chouchou va dormir. Et je ferai un live TikTok dans la semaine, je pense. J'essaierai, je vais voir. Ça fait un petit moment que j'ai abandonné les live TikTok. Alors, peut-être que je m'y remette si je vais voir mes copines. On a des copines de partout, Mimi. Allez, tchou. À la semaine prochaine.